Le temps est très gris aujourd'hui, mais bon, petite sortie de décrassage quand même. Il est tombé beaucoup de neige ces derniers jours, au-dessus de 1000 mètres, parce qu'en bas c'est plus tranquille. J'aime bien cette haie d'épicéa. Ça ne s'améliore pas, je suis arrivé au goulet de Doucy là, avec les chalets juste au-dessus. Je vais essayer de suivre à flanc après. Jusqu'à Bornette, là-bas au fond. Et après je redescendrai vers le reposoir. Ça skidure! Ils n'ont pas peur des avalanches, les mecs, de là où ils viennent. Ça craint un peu quand même. Juste à côté, il y a un magnifique couloir là. Ils auraient pu se faire emporter, les mecs. Beaucoup de neige au-dessus de 1500 mètres quand même. Les piquets sont bien enfoncés. J'arrive juste aux chalets qui sont situés entre le goulet de Doucy et puis le col de Bornette là-bas au fond. Les conditions sont extra pour la neige. Petite avalanche. Moi, ça descend rarement en dessous du chemin. Donc la traversée est quand même assez sûre. Mais bon, pour ceux qui veulent aller skier plus haut, ben, vaut mieux éviter. Ça va être comme ça quelques jours, je pense, avec tout ce qui menace de tomber. Celle-ci s'est aussi arrêtée au chemin. En sous-bois, c'est très joli. Là, je vais aborder la descente. Un petit chalet que j'aime bien, adossé à son rocher. On le voit à peine sous la neige maintenant. Juste au-dessus du col de Bornette. Avec les chalets, je crois que c'est les chalets du char, mais ce sera marqué sous la vidéo. Aujourd'hui, on ne voit même pas le lac d'Annecy, qui est dans le creux en bas. Descente de la route du reposoir jusqu'au mont, avec une petite vue sur le Roc des Bœufs, qui est toujours assez spectaculaire de ce côté-là, surtout dans la brume, c'est spécial aujourd'hui.